J'ai marché dans l'aube, soleil et lune étaient encore emmêlés. Le château, sa pudeur de cloître. Si tout jardin est surtout le souvenir d'un autre jardin. On voudrait demeurer à l'endroit, moment précis, vague précis, où le souvenir, dans ces haies que chaque jour taille, nous pince. J'ai vu le nichoir avant le château. Vu les cerisiers en charmille avant le château. Imaginez la sakura et le château éclore, rose, au bout d'une branche. J'ai vu la brume érafler le parc du château, raser fascinante le sol. Brume, si la lune était une ligne. Brume, et le regard est une crainte. Ce qui est né sans surgir mourra devant nous, et sa mort aussi sera transparente. Brume, on la supplie de rester encore, ne pas reprendre sous trop de jours sa salive. Brume, le château qui respire, où les anciens soufflent, quand soudain, de bon air, de grand verre, les tubercules retrouvent ses pleins soupirs. Brume, et nos pylônes là-bas sont d'abstraites reines polaires. Les arbres du château étaient des chiffres, les trois arbres, les jumeaux. Le château, derrière le humble amami des joncs. J'ai vu le château, sa mangrove inverse et paisible. J'ai vu le reflet, l'héritage doux, flou. J'ai vu quelques oiseaux nager dans le ciel tombé de la niée. Et j'ai vu s'échapper d'astres en nuée les oiseaux pour agripper le clocher. Combien de kilomètres de ciel volent par jour les oiseaux? J'ai pensé devant les corbeaux en plein ciel à l'ardente responsabilité des moineaux de ne pas se faire écraser, car nous, quand on pose le pied, c'est toujours supposant bien sûr que d'un saut, même pas d'un vol, un saut, ils se seront décalés. Le château et sa siamoise d'église, j'ai vu les oiseaux princes des clochers et les nains, petits mendiants de marche d'église. Et la confession improvisée sous la corolle légère et déchue du beau beau sol. Les secrets viennent de soudain s'asseoir. Un secret, la bouche à moitié close. Comme un château coupé, un château et deux frères. J'ai vu les arbres trahir dans le tassement d'une seule de leurs épaules le secret du vent. Les hêtres, roux, pourpres, menés loin vers la forêt. Le château, l'île naît d'une forêt. Le château transparent, entêtant et lointain, comme un air de flûte se discerne et se perd, et bientôt discerner et perdre sont le même verbe. J'ai vu la trace encore des douves, comme une brume de forteresse, et la rivière vive relayer l'eau morte des douves. Dans le village, la photographie garde des traces, elle, des familles avant leur déracinement. Comme un jour, il n'y a plus que les douves qui ont creusé et bâti les larmes pour rappeler qu'ici se dressait une forteresse, notre mère. Château sans marquis, nos tombes, nos naissances qui sont leurs morts, 1900-1988. J'ai vu dans le cimetière et sur la mairie les constats d'état d'abandon de concessions funéraires, comme en Italie punaisaient les morts de la semaine. Là, les morts des morts, avis de constat d'abandon des concessions funéraires. Nos longues, longues familles ou rien, la fille unique qui n'aura pas eu d'enfant. J'ai lu et relu sur le monument aux morts. Déjà notre mère est venue nous rejoindre au ciel et nous disons à notre père qui nous pleure, à demain ou peut-être à ce soir. Donc le fils était mort, le premier, puis sa mère, peut-être de chagrin, et bientôt le père, du chagrin ou de la guerre. De la guerre, s'il ne le savait même pas que dans son dos à l'arrière, sa femme était morte d'une lettre lui annonçant la mort d'un fils sur le front. J'ai vu au pied du monument aux morts les fleurs ensanglantées et le Christ pas encore las de nos guerres semblait sur la croix l'œuvre hébétée superbe d'un artiste brut. On croit que c'est la lune qui vient, qui revient chaque soir, mais c'est nous bien sûr qui allons vers elle,
comme sur la voie verte, marcher vers le chien blanc dont le maître m'a dit, après qu'il m'ait aboyé, il n'aime pas qu'on le regarde. Et je crois que regarde était une façon gentille, un verbe gentil de me dire n'aime pas qu'on le filme, et je me suis excusée. Et comme je ne connais pas bien les choses, je pensais les maïs devant les maïs avachis, et l'arbre devant l'arbre voûté. Il est des lignes droites plus vertigineuses que le chemin torturé, enroulé au large de nos, le cri, la voie verte, et le long ces vaches et ces infrastructures qui devaient faire aux enfants des repères. Est-ce qu'on a déjà passé la piscine? La piscine, le château d'eau. Et des clochers qui jaillissent comme une truite saute et rentre et saute dans son ruisseau. C'était la Toussaint bientôt, les vacances serrées entre l'automne et l'hiver, et Guignol viendrait effrayer et faire rire, petite aventure de salle polyvalente. Et de terrifiants fantômes d'Halloween se suspendaient au-dessus des hérissons et des nains naïfs au perron des maisons. Toussaint, les morts qui fleurissent et ceux abandonnés qui protestent doucement. Constat d'abandon, comme une boucherie est vide et sa vitrine immaculée. Aucun sang de viande n'est venu après l'été et la fin prévue des congés. Les oiseaux au-dessus des filets du petit stade comme de grands évadés de cellules. Roberto Zucco sur le toit de sa prison. Groupe scolaire, salle polyvalente, maison médicale, allée des écoles et celle des mimosas, petit bourg qui lui aussi dit son nom et ses choses, groupe scolaire, salle polyvalente. J'ai marché, c'est que les vaches noires, quelques minutes après, sont blanches. Je marchais, je pensais à Rimbaud, à la mère de Rimbaud, je crois, qui a déplacé la frontière pour agrandir son jardin. À Rimbaud qui a marché pour n'avoir aucun jardin. Je marchais, je lisais les panneaux d'explication le long de la voie. Notre région a été recouverte de la mer alpine, issue de l'ouverture de la Tétis, future Méditerranée. Les Vosges étaient immergées. Si le présent est le frêle château noyé sous de futures mers. À la fin du lilas, la mer se retire. Cette période s'achève par l'apparition de la minette de Lorraine. Les choses sous les choses, comme le château était une forteresse qui respire, un aérium, était une maison d'enfants, était une colonie de vacances. Le sillon acharné des siècles, la forteresse incendiée, le château pillé, le temps accumulé dans les arbres, les chênes trois fois centenaires d'un jardin, où datait la grange aux colonnes de temple par l'âge de ses arbres et de sa charpente. Si le temps est ce site en libre évolution, j'ai marché, j'ai vu les meules de foin dans la vaste grange comme une bibliothèque de livres, tous ronds. Et les autres meules sous le linceul de latex blanc. Et l'oratoire de bord de départemental à mes oreilles. Je marchais le long de la départementale, j'ai eu peur et rebroussé vers la voie verte, vers la petite perse de Pange dans la boîte à livres, lire Lolita à Téhéran. Il ne fallait déposer que des livres complets. Le temps, la lune, son livre forcément déchiré. J'ai vu sur la mairie le château fibré. Tout peut revenir à la mode, pas la DSL. Annoncer la mairie un plan internet pour la Moselle. J'ai trouvé efficace le slogan. Tout peut revenir à la mode, pas la DSL. Enfin, je suis entrée dans le château comme on souffle sur un coffre avant de l'ouvrir. Le salon gris. Le salon vert et le temps à sa place, les tableaux anciens qui servent de déon, de dendrochronologie à la réfection des grandes places, et l'on était venu se pencher sur la peinture pour refaire celle à Nancy de Stanislas. Et pour l'enfant châtelain, sa première rencontre avec le château, le dortoir, quand le château était devenu une colonie de vacances, au cœur du château, la trace. Dans le grand casier de la mémoire, être l'enfant du château et rencontrer le château par la nuit des dortoirs, découvrir le château dans ce sur le dos des matelas proches de la lune collective des colonies. Et que ce premier château reste, de rencontrer son propre château au milieu des enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances et pour qui, alors, le château était le pays lointain au cœur du village. Et que même adulte, dans sa bâtisse d'en face au bout des hectares d'horizon, ce soit d'abord ce premier château renversé de se réveiller dans le dortoir,
sur le dos qui reste, le château en haut du front et les paupières soulevées. Le château. Au milieu, j'ai marché de Penge à Courcelles sur Chaussy, de Courcelles sur Chaussy à Penge, de Penge à Courcelles sur Niais. Moi aussi, mon nectar d'hectare et le jardin sans limite, mon corps. Le ciel paraissait un grand vestige blanc, une écurie en état d'abandon, sans cheval d'astre, soleil ou lune, que du blanc d'après-midi. J'ai lu, après le panneau sur la future ancienne mère, et celui sur les hérissons, celui sur les marquis. Cette demeure est habitée depuis 3 siècles par la même famille qui porte le nom de son château et celui du village de Penge. Les longues, longues familles et les générations de grandir avec son château, grandir avec son sacrifice, et au pied du château, rêver encore au château, l'imaginer, si tout château peut en rêver et révéler un autre. Le soir, quand la lune était plus près, qui avait fait fondre le chandelier soleil, j'ai imaginé au bord du château la nuit chuter dans la rivière. Et s'étaler infini, les hectares noirs.